Et il faut dire que cette célébration eucharistique pour le seul mardi 7 mars 2023 sera présidée par l'évêque du diocèse de Nkonsamba, Monseigneur Dieudonné Espoir Atangana, qui va présider cette célébration eucharistique. Les pères évêques sont tous là, vêtus de violet, naturellement, puisque nous sommes en plein dans le temps de carême. Et il faut également préciser que pour cette célébration eucharistique, l'homélie ou encore la prédication va être faite par Monseigneur François Achille Eyabi, évêque du diocèse d'Ezeka. Et pour les laudes de ce matin, nous allons prier par la voix de Monseigneur Joseph Tinda Ndoutchio. Voilà les personnes que vous allez entendre sur les antennes de Radio Veritas ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Envoie. C'est un grand plaisir pour nous et un honneur d'être avec vous ce matin. Nous allons célébrer sous le regard de Baba Simon qui vous aime. Nous prierons avec la conférence épiscopale provinciale pour vous, pour tous nos diocèses et pour notre pays, le Cameroun. Que le Seigneur nous aide à cesser de ressembler au chef de Sodome et au peuple de Gomorrhe. Nous disons ensemble les psaumes. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. Pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je sombrer et séparer? Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Pourquoi te désoler, ô mon âme? Et j'ai mis sur moi, espérant Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas. Le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais, j'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Ma demeure m'est enlevée et arrachée comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le filet tranché. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. À
regardez là-haut, mes yeux faiblissent. Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume a même conduit à la paix. Tu me tires du monde. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Seigneur, viens me sauver, et nous jouerons sur nos cithares tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion, de tenir ses promesses en vrai, toi, qui écoutes la prière. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple. Sa force enracine les montagnes, il s'entoure de puissance. Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Les herbages se parent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi, tu les pardonnes.
Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Comme sans toi, l'homme mortel succombe, puisse ton aide constante nous arracher au mal et nous diriger vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Fidèle auditeur de Radio Veritas, on va à présent écouter la première lecture tirée du livre de Isaïe, chapitre 1, versets 10 et verset 20. Lecture du livre d'Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui ressemblez aux choses de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous qui ressemblez au peuple de Gomorre. À faire le bien. Recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez donc et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. Si vous consentez à m'obéir, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Le Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Psaume 49. Marchons vers les pas du Seigneur, il nous fera voir le salut. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Rejetez votre péché loin de vous, dit le Seigneur. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Big on a job.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus déclarait à la foule et à ses disciples: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne peuvent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations dans les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites donc pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. And that was the gospel passage. And that was gospel passage taken from Matthew 23:1-12. And now we are going to listen to the homily that will be given by Monseigneur François Eyabi, the Bishop of Eseka. So let's listen. Révérend confrère dans la plénitude du sacerdoce, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, frères et sœurs dans le sacerdoce commun du Christ, bien-aimés de Dieu. Comme l'a dit le célébrant principal, nous sommes heureux de célébrer dans cette mythique église où a exercé notre prédécesseur confrère, Baba Simon. Et c'est avec la chair de poule que nous prenons la parole là où il a pris tellement de fois la parole pour parler au peuple de Dieu. Nous initions notre deuxième semaine du temps important et privilégié qu'on appelle le temps de carême, temps pendant lequel le Seigneur nous invite à laisser nos marques, non sur du sable au bord de la mer, qui dure le temps d'une marée, mais sur le tronc du cocotier pour le temps d'une vie, pour nous aider à atteindre plus rapidement les noix. Et chaque fois que ce cocotier grandit, on continue à en faire des marques. Ainsi, la conversion qui nous est réclamée ne consiste pas en un acte ponctuel qui durerait le temps d'un carême. Le temps de retourner très vite après Pâques à notre train-train quotidien, ce n'est pas une sorte d'économie, économie forcée ou calculée, pour nous rattraper après Pâques. C'est un acte long et patient qui, avec courage et humilité,
nous apprend à exercer pour toute la vie ce que nous avons vécu en ce laps de temps. Dans la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui, le Seigneur nous demande de cesser de faire le mal et de faire le bien, apprendre à faire le bien. Cesser de faire le mal. Facile peut-être, puisqu'on peut rester à ne rien faire. Et en ne faisant rien, on ne fait aucun mal à qui que ce soit. C'est comme quelqu'un qui cire ses chaussures et reste chez lui. Il ne se salit plus, mais il ne fait rien. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas rencontrer des frères. Il ne s'agit pas de rester tuer le temps en attendant que le temps nous tue. Et c'est pour cela que la deuxième partie de cette recommandation est d'une extrême importance. Apprendre à faire le bien. Apprendre à faire le bien. Cela nous montre bien que ce n'est pas un acte qu'on pose une fois. C'est une marque qui doit rentrer dans notre histoire, dans notre intelligence, dans notre vie. Dans la main. En rejoignant la première recommandation du carême, la générosité agissante. Faire le bien dans la discrétion, que la main droite ne sache ce que fait la main gauche. Aller vers les autres, les blessés de l'humanité, comme le bon samaritain. Courir, apaiser la douleur des autres. Donner la main à ceux que les vicissitudes de la vie laissent au bord du chemin, incapables de se mettre debout. Faire attention aux derniers de la société, les enfants de la rue, ces nombreux enfants qui n'ont pas la chance, comme ceux que je vois devant moi, d'aller à l'école à cause de la pauvreté des parents ou de la négligence de ceux-ci. Mais aussi et surtout apprendre à notre peuple de prier. Ceux qui ne le savent pas, qu'on les aide à prier. Il ne s'agit pas de nous contenter de bonnes et belles paroles, mais des faits qui constitueront le contre-don. Nous savons, tout don reçu oblige. Tout don reçu oblige. Et Dieu nous couvre de ses dons. Venez et discutons. Il nous prend par la main pour nous purifier, pour nous laver, pour nous aider à ne plus commettre des actions mauvaises. Nous devons, après avoir été bénéficiaires d'une telle grâce, faire à notre tour grâce aux autres. La miséricorde de Dieu nous rendra blancs plus que neige. La miséricorde de Dieu nous remettra debout. Nous avons l'obligation, nous aussi, de remettre les autres debout. Dans l'humilité de l'amour qui fait que l'on s'efface devant les autres au lieu de jouer au grand chef.
l'arbre fruitier le plus important n'est ni celui qui est au centre du champ, parce que comme ça contemplé par tous, à peine entré dans le champ, ni celui qui est au bord du chemin, parce que quand les gens passent, on l'admire, mais bien celui qui produit beaucoup de fruits. Et pour le responsable du champ, où qu'il soit, il passe d'abord par là. Nous ne devons pas tomber dans l'incohérence, mais nous devons nous rendre esclaves de notre peuple, de notre famille, de nos élèves, en cherchant uniquement l'approbation et l'admiration de Dieu et non pas des hommes. Quand le texte évangélique parle de ne pas imiter ce qu'ils font, mais écoutez bien ce qu'ils vous disent. Évidemment, nous tous nous tournons vers nous qui prêchons, vers les prêtres et les évêques ici rassemblés. Mais cela concerne tous ceux qui ont une responsabilité dans la vie, dans l'éducation surtout, l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nous nous plaignons tous de nos enfants à la dérive. Mais quelle est l'image que nous, parents, l'image que nous, éducateurs, éducatrices, donnons aux enfants? Quelle cohérence y a-t-il entre notre discours que nous tenons et les actes que nous posons? Nous pouvons interdire un certain nombre de choses. Facilement imiter ce qui est mauvais. Et il ne s'agit donc pas seulement de jeter un œil accusateur, je dirais, vers les prédicateurs officiels, mais chacun de nous doit devenir prédicateur de la parole de Dieu, non pas par ses discours, mais par son comportement quotidien. Il ne s'agit pas de faire des discours. Il ne s'agit pas de paraître, mais il s'agit d'être pour nous tous. Nous sommes comme des Moïse de ce temps-là, ces pharisiens, mais qui n'imitent pas le vrai Moïse, qui ne se contentait pas de tenir le discours, mais qui était au milieu de son peuple et marchait avec lui. Il n'est pas devenu comme nous aujourd'hui, pour la plupart de nous, une plaque de signalisation où vous disent voilà la voie pour aller à Yaoundé sans jamais la prendre eux-mêmes. Mais une plaque fixe. Il suffit qu'il arrive un malveillant et au lieu de la continuer à la laisser indiquer la route de Yaoundé, il la tourne et nous irons plutôt à Bafoussam. Et les malins, il y en a plein dans la vie qui après nos discours qui indiquent Yaoundé peuvent tourner notre plaque qui va indiquer plutôt Bafoussam. Ne soyons pas hypocrites. Il faut qu'on soit vrai. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut être vrai. Notre autorité doit être une autorité, comme je dis, pas qui nous élève au-dessus des autres, mais qui nous plonge. Pour être au service des autres comme Jésus. Le jour de jeudi saint, il quitte ses vêtements. Il lave les pieds de ses disciples. Et après, il leur dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Eh bien, si moi je l'ai fait, faites-le les uns pour les autres. Aujourd'hui, évidemment, quand l'enfant commence à grandir, il n'a qu'à se débrouiller lui-même. Même à l'école, on finit par le laisser se débrouiller lui-même. Dans cet évangile, donc, il s'agit de ne pas dire, mais de faire. Comme disait d'ailleurs dans le Cid, les exemples vivants
sont d'un autre genre. Un prince dans un livre apprend mal son devoir. Nous ne devons pas nous contenter d'être des livres, mais d'être des exemples vivants. Et c'est ce que le pape aussi disait. Le monde a beaucoup, n'est-ce pas, de maîtres pour prêcher, pour parler. Et aujourd'hui, la parole inonde notre monde. On est en train de faire la politique en ce moment. Même si ça ne concerne pas tout le monde, il y a quand même des caravanes qui montent pour faire des discours trompeurs, évidemment. Parce que ça ne concerne pas le peuple, ça concernerait sûrement les conseillers. Mais comme il faut, n'est-ce pas, nous tromper et comme ça, faire disparaître un peu d'argent, on fait de grands discours, mais les actes ne suivent jamais. Donc il ne s'agit pas de dire des choses, il s'agit de faire, d'être des témoins, pas des maîtres, pas des orateurs. Vouloir dominer, oubliez cela. Ne pas vouloir marcher sur la tête des autres, sur les crânes de ceux qu'on aura égorgés. On a l'impression que les hommes pensent qu'ils peuvent grandir qu'en se mettant sur la tête et les épaules des autres, sans leur avis. Apprenons à être non pas dominateurs dans les actes qui mettent les autres au-dessous de nous, mais dominateurs en les portant pour qu'ils voient plus loin. Il ne s'agit pas de se faire remarquer. Le m'as-tu vu ? Oh mes jeunes, m'as-tu vu ? Heureusement, ici, chez vous, on vous a imposé une tenue au moins pendant le temps de votre séjour ici. Mais à peine sorti, le m'as-tu vu, on essaie de mettre le dernier habit griffé. Et si maman ne nous le donne pas, si papa ne le donne pas, c'est la guerre. La coiffure. On essaie de dessiner les figures les plus bizarres. Et les cheveux, on les teinte, parce qu'il faut qu'on nous voit. D'ailleurs, il y a des coiffures que font nos jeunes, les femmes aussi aujourd'hui, en laissant pendre sur leur visage, n'est-ce pas, des grains de cheveux, le tape à l'œil. Il faut qu'on vous voit. Non. Il ne s'agit pas de se faire remarquer. Ça, ce n'est pas donc seulement pour les prêtres, ni pour les religieuses. C'est pour nous tous. C'est pour chacun d'entre nous. On veut porter le dernier costume qu'on a vu. Quand vous allez à Yaoundé, vous serez impressionné de voir tous les hommes en costume, parce qu'il faut montrer qu'on est dans un ministère, ou bien qu'on travaille dans une banque. Ce n'est pas seulement pour nous. Et on essaie d'occuper les premiers rangs. Toujours. Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Ce ne sont pas seulement les prêtres, les évêques qui sont intéressés par cet évangile. Alors nous devons apprendre la vraie fraternité. Au lieu de nous draper dans nos différences, et dans nos titres ronflants, nous sommes tous frères. Et c'est une phrase extrêmement importante. Nous sommes tous frères. Et nous devons vivre en frères. Malheureusement, notre voisin se présente toujours comme un danger pour notre sécurité. Se présente toujours comme un danger pour notre épanouissement. Et tout ce qu'on fait durant toute la vie, c'est d'essayer de l'éliminer. Comme je dis souvent, avec le temps, il y avait ce qu'on appelle les générosités nécessaires. C'est-à-dire le matin, la brave maman qui n'avait pas la possibilité d'avoir ce qui peut lui produire du feu, allait chez sa compagne
prendre quelques braises pour allumer le feu chez lui, chez elle. Et une autre allait chez elle. Et ainsi circulait cette richesse que le feu dans tout le village en moins d'une heure. Mais aujourd'hui, si c'était le cas, quelle maman accepterait d'aller chez sa voisine? Elle représente toujours un danger pour nous. Et c'est l'éducation que nous donnons à nos enfants. Je me rappelle une fois, j'ai demandé aux enfants, lors d'une messe, de ne pas manger seul, parce que c'est une fête qui concernait, je crois, la jeunesse. Je leur dis, prenez vos compagnons qui sont autour de vous, vos camarades, ceux qui sont dans votre quartier, et la nourriture que maman vous aura donnée, mangez ensemble. Et pendant la messe, un jeune homme a commencé à lever le doigt. Et j'étais surpris de voir que pendant la messe, ce garçon pense qu'on est en plein cours. Mais il a tellement insisté que j'ai fini par lui donner la parole. Et la question était foudroyante. Et si maman refuse? Sans commentaire. La fraternité vraie. La simplicité. Il ne s'agit pas de revendiquer des honneurs ou des titres, sans d'ailleurs les vivre comme un service. Il ne faut pas commencer à disputer des choses que nous utilisons tout simplement pour qu'on nous voie, pour qu'on commande. Il faudrait les utiliser comme service, service de nos frères. Et ce service, donc, doit nous aider à rendre heureux tous nos frères et sœurs, à les mettre debout. Et je répète, non pas seulement pendant cette période, qui est un exercice, une sorte d'entraînement, parce qu'après cet entraînement, justement, commence le match. Nous ne jouons pas le match maintenant, nous nous entraînons pour acquérir les automatismes. Ce n'est pas une période où on essaie de jouer un peu en attendant que Pâques arrive et qu'on replonge dans notre vie de tous les jours avec les mêmes défauts, avec les mêmes récriminations. Après ce temps de carême, et nous en avons déjà passé plusieurs, et c'est le temps que nous laissons passer. Quand commence le match, quelles sont nos performances? Loué soit Jésus-Christ. Monseigneur François Achille Eyabi, évêque du diocèse d'Ezeka, il faut le préciser, nommé le 14 novembre 2020 par le pape François et ordonné et installé le 8 janvier 2021, vient de sensibiliser le peuple de Dieu ici à Notre-Dame de Victoire de Nebel à la fraternité, à la simplicité, à l'amour véritable du prochain. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Écoute ceux qui souffrent dans leur corps ou leur esprit, ceux qui ont perdu toute espérance. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Soutiens ceux qui partagent la détresse de leurs frères et s'efforcent de servir. Entends le cri des hommes. Regarde ceux qui luttent pour le respect et les droits du pauvre. Entends le cri des hommes. Travaille avec les artisans de paix qui préparent la venue de ton règne.
et à toutes celles que nous n'avons pas pu formuler, mais que tu connais, Seigneur, dans ta grande sagesse. Nous te prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Welcome back to the Lady of Victory. Where the bishops of the Douala Ecclesiastical Province are gathered for a celebration of the Eucharistic celebration. And this is the second week of Lent. And we're going back to the homily that was delivered by Monseigneur François Achille Ayabi, Bishop of Ezeka. And we have to lay emphasis on what he said, especially revisiting the importance of celebrating this Eucharistic service mass in this parish, which he described as a mystical parish because it was constructed by one of the precursors of evangelization in Douala Archdiocese, and that is Baba Simon. But it's important to note that the Bishop of Ezeka actually laid emphasis on the importance of maintaining a constancy during this period of Lent. Lent, we don't only have to convert during Lent, but we have to be converted for all of our lives, as a Christian. He actually painted this analogy of building or anchoring one's faith on sand, which is just ephemeral. When the oceans and the waves come, they'll sweep that away. It's important to construct one's faith on a coconut tree, which is going to stand the test of time. Monseigneur François Achille Ayabi, en édifiant le peuple de Dieu ce matin à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Nebel, a mis véritablement un accent sur le temps que l'Église nous donne de vivre. Aujourd'hui, il n'a pas manqué d'inviter les uns et les autres à fuir l'hypocrisie et à être vrai dans les relations humaines. Et il a insisté en disant qu'il ne s'agit pas de paraître, mais d'être. Il ne s'agit pas de tenir simplement des discours, mais de passer à l'action. Le pasteur propre du diocèse d'Ezeka a également préciser que le carême nous apprend à exercer pour toute la vie ce que nous avons vécu un laps de temps. Il faut donc pour cela éviter de faire le mal et apprendre à faire le bien. Voilà quelques propos partagés par Son Excellence Monseigneur François Achille Ayabi, ici même à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Nebel, une paroisse qui a célébré l'année dernière 75 ans d'âge. C'est donc une paroisse qui a une certaine histoire, et on l'a dit à l'entame de cette célébration eucharistique, Baba Simon, de vénérée mémoire, a prêché dans cette église paroissiale, puisqu'il a exercé ici en tant que prêtre, avant de déposer ses valises dans le grand nord du Cameroun. Et pour l'heure, la paroisse Notre-Dame des Victoires de Nebel est dirigée par l'abbé Florindo Demidio, qui est en même temps le vicaire épiscopal de la zone pastorale Vori 2. Et d'ailleurs, il est à l'hôtel aux côtés de plusieurs autres prêtres, parmi lesquels Monseigneur Duncho Joseph, vicaire général de Nkonsamba, qui préside les Lourdes ce matin ici à Nebel. Afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Par ces mystères, Seigneur, Dieu de paix, accomplis en nous ton œuvre de sanctification.
qu'elle nous purifie des égarements de ce monde et nous conduise au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Olé, olé, mandé, je brûle l'état, olé, mandé. Olé, olé, mandé, je brûle l'état, Hosanna, si tu te peux. Olé, olé, mandé, je brûle l'état, olé, mandé. Olé, olé, mandé, je brûle l'état, Hosanna, si tu te peux. Que ange voyons pour nous, que la peau, que c'est ça, pourquoi ange n'aille pas l'état, mais j'en peux. Olé, 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 mandé, je peux l'état, olé, mandé, olé, olé, mandé, je peux l'état, Hosanna, si t'as-tu beau, Hosanna, si t'as-tu beau, Hosanna, si t'as-tu beau. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce. Il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Samuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, disons avec confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. On ne manantomba zamba. Fidèle auditeur de Radio Veritas, téléspectateur de Veritas Télévision, très chers internautes, la paix du Christ, nous vous la souhaitons également. La paix qu'on se donne ici à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Nobel. D'ailleurs, le président de cette célébration est ici, Son Excellence Monseigneur Dieudonné Espoir Atangana, évêque du diocèse de Mkonsamba, a rappelé qu'au cours de cette messe, on va prier aussi pour la paix au Cameroun, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans chacun de nos cœurs. Et donc, nous vous souhaitons, vous qui êtes connectés sur Veritas, sur toutes nos plateformes en ce moment, nous vous souhaitons également beaucoup de paix, paix dans vos familles, paix dans vos activités. Tiens, Ironos, peace be with you. On manantomba zamba, waya wava misamo e a babimbwa o e babimbwa o a. On manantomba. Celui qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain,
il nous give son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon sang, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps. C'est mon sang. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps. C'est mon sang. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Il m'a dit, je suis... La, 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 la. Et mon cœur est plein de joie. Oh la 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 la. Oh oh. Et mon cœur est plein de joie. Il m'a dit, je suis le cep, loin duquel rien ne mûrit. Celui qui suivra mes pas verra mon avènement. Oh la 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 la. Et mon cœur est plein de joie. Oh, je suis la vie. Et mon cœur est plein de joie. Oh la 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 la. Je reçus le Dieu. Et mon cœur est plein de joie. Je reçus le Dieu. Et mon cœur est plein de joie. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. We are still at the Our Lady of Victory Parish, New Bell.
where the bishops of the Douala Ecclesiastical Province are celebrating a mass with the students of Sekahat College. And it will be an occasion to raise this, since the homilist, Monseigneur François Achille Iyadin, Bishop of Ezeka, actually took advantage of the fact that we are celebrating this mass in an educational institution, that's in a college, to question the kind of education that we are giving to our children. I think he said the best education is actually teaching by example. And he asked that we are all complaining these days of our children's uncouth and unacceptable behavior. But the question that he asks is, what example are we actually showing our children? So, because our children always have the tendency to copy what is not right instead of copying what is right. So parents have to be very exemplary. And we just hope that the students of this college have taken advantage of this to actually learn and accept what is good to them. So he also laid emphasis on the fact that it's not important to be hypocritical. You have to remain true. And I think this is an ideal moment for the students of Sagrada College, Christians, to put this into practice. La célébration eucharistique tire à sa fin, tout comme les lots de Dieu va clôturer Monseigneur Joseph Tinda, vicaire général du diocèse de Nkonsamba. Un seul est votre maître, celui qui est aux cieux, le Christ le Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté. En sa présence tout au long de nos jours. Pour donner à son peuple de connaître le salut. Par la rémission de ses péchés. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Un seul est votre maître, celui qui est aux cieux, le Christ, le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ce repas pris à la table sainte nous aide à vivre plus saintement et nous procure ton inépuisable pardon. Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci à tous. Bon carême. Bonne journée. You correct this celebration at or the mass at Our Lady of Victory Parish New Bell, where the bishops of the Douala Ecclesiastical Province gathered to celebrate mass this Tuesday, which is the second week of Lent. We had as the main celebrant the Bishop of Kongsamba, Monseigneur Espoir Tangana. And the homilies was the Bishop of Seka, and the students of Sacred Heart College and parishioners of New Bell also had the privilege to take part in this Eucharistic celebration. Bien évidemment, c'est la fin de cette célébration eucharistique de la CEPED ici à la paroisse Notre-Dame des Victoires de New Bell. Les évêques, les vicaires généraux, les recteurs des grands séminaires, les responsables de la SOPRET, du tribunal ecclésiastique, de l'Opus Securitatis, les chanceliers, les économes des grands séminaires et les invités vont se retirer. Mais il faut dire que les évêques et leurs différentes délégations vont reprendre dans les toutes prochaines minutes le chemin de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala pour poursuivre les travaux de la conférence des évêques de la province ecclésiastique de Douala. Et pour cette matinée, nous l'avons dit, ils vont réfléchir sur la situation du projet de PK17 et ils vont également réfléchir sur une formation permanente proposée par le tribunal ecclésiastique de Douala. La prochaine célébration eucharistique de la CEPED, c'est demain. Ça sera la messe de clôture à 6h15 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, où le peuple de Dieu est encore attendu très nombreux. Sur ce, fidèles auditeurs de Radio Veritas, téléspectateurs de Veritas Télévision, très chers internautes, nous vous souhaitons de passer une agréable journée sous la protection du Dieu Tout-Puissant à l'écoute de nos différents programmes. Nous avons bénéficié de la collaboration technique d'Alain Apollinaire Osomba, ici à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Nobel, de Franck Mouna dans les studios de Radio Veritas et la grande équipe technique de Télévision Veritas, amené par Samuel Dena, est également constitué de Roger Ibele, Valérie Djoko, Delmas Tambou et Fidel Mbenga. Tout ceci sous la supervision du directeur de radio et télévision Veritas qui est avec nous ici à Nebel, l'abbé Louis Bertrand Chambou. Bonne et sainte journée à toutes et à tous.